Salaam alaykoum. Mbokki askan wi, mbokki genn ginaaw. Man, je me présente, c'est Moussa Gassama, chef d'agence Sénélec bu genn ginaaw. Donc, maa ngi nuyu encore une fois ñëpp, di ziar ñëpp. Sa question dégg naa ko. Donc koku mën nañ ci wax Sénélec limi xaar ci client yi moy fournir len une bonne qualité de service manam courant bu doy té am ben du am ben galancor pratiquement en globalité Sénélec lol cheikh ak client yi manam nga am jox la courant bu doy courant bo xamanteni ni tu yak sa appareil manam bu uppe lol dina yak sa appareil bu touté lol aussi meuna yak sa appareil manam courant bi dafa wara doy bo meuna tal appareil benen bi moy Sénélec aussi mu ngi ñun ci sunu ay mission la bok manam di jël les demandes d'abonnement diko traiter à temps manam bép citoyen sénégalais remplir condition yi nga xamné Sénélec wax nako bo défé demande bu jaar yon di nga mëna am courant dans les délais nak boko déggé moko ci dir bu gatt voilà mom moy dans les délais parce que ñun tamit dañu am contrat de performance bo xamné dañ ko signé ak état du Sénégal à faire que client bu défé demande dans les délais war nañ ko mëna visiter si l'installation est conforme aux normes nga ñeu fay sa frais de timbre bo fay sa frais de timbre ñu le compteur ci ñu gëna gaawé ci ñu gëna rafété voilà. Bon, xam nga tay ji waaw xam nga tay ji Sénélec dafa am ay ouvrage dafa am ay installation yo xamanteni ni mo nek ci dëkk bi wër dëkk bi yëpp voilà kenn natablé wul aussi que ci au cours du mois de septembre dans la nuit du 8 au 9 amone ay taw yu metti yu fi wacc ak mu and ak ay ngelaw ak ay tonnerre donc tonnerre yoy bi mu ñëwé amna ay poteau yu daanel manam poteau yi ñi wax c'est des supports ASTEA donc support ASTEA yoy bimu ci amé problème ci goudi biñu informé jog nañ ci goudi def ay manœuvre au niveau de Kowon parce que ñun au niveau de Géo ñaari source lañ am ben source bu joggé directement central bu Kowon ñew donc benen source bi moy source bu joggé Folé Kossas en passant par Djourbel donc il s'est trouvé que biñu amé problème on avait 6 supports yo xamné ñoo génné après central Kowon ño daano won côté Pafa ak mba mumi biñ ko gisé ci fajar gi donc on a ñu coupé donc les travaux yi nga xamné mom lañ ci waron def nak travaux yi amon na touti galancor parce que période bobu travaux yi dafa poteau yi dañu nekkon ci digg tool té période bobu toolu dugub yi pratiquement dugub bi wa ñoron na sax ba paré et puis bi dugub bi ñoré ba paré accès bi xawon na compliqué donc xam nga tool buñu labouré aussi ba paré dugub bi ñor dugub bi bu ñoré day voilà dugub bi bu ñoré da fay manam pour nga yak aussi nit ki nek ci toolam def ci ñetti wéyati bay ba dugubam ñor poteau yi daanu fofu donc pour nga am accès fofu day xaw compliqué déjà auto bi nga wara duggal fofu rek bu dul auto bu mag wala auto am doole bu duggé fofu gëna fa dess d'autant plus que poteau yi fiñ daanu won dafa amon ndox ta ndox mi ken réru wul ngir né rañ ji ndox mi dafa bari donc pour ñu won accès fa dafa xon jël temps trop et là donc aussi des autorités administratives di ci gërem di ci gërem préfet Ndiaye ak ñi mi liggéey doon ñëpp ak le sous-préfet de Modakhoun aussi biñ ko interpellé aussi momit mu taxaw ci taxawaayu kilifa convoqué borom tool yi ñu ñëw mu waxtaan ak ñoom neen sa rek dañu ay ouvrage fi yo xam dañ ko defal donc biñu woyé borom tool yépp ñu dem ñu def ben réunion à partir de cette réunion ñi nga xamné ñu évaluer ñun liñu wara yaq fofu ñu évaluer ko
bantoy aussi nek ay patriote parce que aussi mon nañ indi ay kim té aussi day indi wat day gëna retarder affaire bi donc ñomit son coopératif biñu nango aussi anger dugg fofu dé après reprendre les supports après au bout de 48 heures ñu défar ko donc ben source bi mo amone problème les deuxième source bi malheureusement aussi bi nga xamné mo jogé au niveau de gossance en passant par port djourbel momit amone ñu amone défaut câble au niveau de Walo Sendjagne. On a passé deux jours aussi fauf ci goudi di meuna reprendre câble bi avec les appuis des équipes techniques de Kaolack aussi ñu jappalé ñu ci ba yalla sutural ñu courant bi après ñu mën ko rétablir à environ de 4h du matin lañ ko mujjé talat wa non c'est que buñu jafé courant aussi pas question parce que li nga expliquer ben période la mais dañ ci dañ depuis buñ duggé ci neub dal jafé bu population ñu ko dundé manam coupure bi day teglanto newet bi wala defa bu xéne sax ñu sel ne coupure na amna donc manam jafé parce que mën nañ ci net bi pla dal waaw parce que bo xolé navet bi c'est tout à fait normal parce que man d'après les rapports yi ma fi fek ak passation yi ma fi def donc Senelec a fait beaucoup d'efforts donc tay yow mi mën nga ma sédé donc le temps de coupure réduire nañ ko à 100% parce que tay ji ñun on s'est fixé des objectifs la Senelec sax lay wax nous a fixé des objectifs que client bi bu amé interruption courant au bout d'une heure 30 Senelec war nako dem séti donc tay ji bu amé panne courant au bout d'une heure 30 Senelec war na ñew war nga gis Senelec ñu mëna rétablir ce courant ci anam bu gëna gaawé voilà légi nak bon xam nga nawet mom comme li nga wax rek da fay indalé nawet c'est ben période bu spécifique parce que bo xolé nawet limi andal la courant xam nga ndox andul ak courant d'abord donc ndox fumuy am ngelaw difa am donc c'est tout à fait normal mu perturber le réseau mais Senelec aussi de mobiliser les efforts conséquents pour mëna faire face parce que bo xolé ñun nawet duñu fanane duñu yandal donc dañ ci né tank courant bi takatul duñu am jamm donc kon mama buñ tolé mëna population mëna ñor séréw nak né problème bi dana am donc fay waaw alhamdullilah instant bi nawet bi il tire à sa fin mais bo xolé Senelec mi ngi def ay effort yu bari parce que bo xolé ñun nawet bi lañu daan am parce que yow xam nga ci dara parce que géo da nan tok ak yenen localité yi dañ daan tok ay heure yu bari duñu am courant parce que tay ji Senelec def na ay effort ba renforcer ses équipes locales tay ji j'ai deux équipes yo xamné ñi ngi sur place au cas où intervention bu amé manam le plus rapidement ñu mëna taxaw lijeenti ko buñu uppé doolé aussi ñu envoyer Kaolack ñeu renforcer ñu donc bo xolé at yi il y a de cela 2 ans 3 ans ci ginnaw coupure yi doon amatul donc on a Senelec a fait beaucoup d'efforts pour remplacer parce que poto boy mahi dañ ko daan lek donc poto boy nord mahi dañ koy lek donc nawet bu amé bu ngelaw amé rek poto yeb daan donc instant bi bo xolé Senelec poto béton yi la gën favoriser mom lay def pratiquement ci ouvrage yep nga xamné mo gën deuguer té ya moins de problème donc problème bu amé mënu ñak parce que courant limi andal dafa am ay équipement yu mi andal il y a des équipements yo xamné day and ak mom té nawet bo xolé c'est très 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 compliqué nawet donc mais bon ñi ci gorgorlu di ci taxaw di jaayante pour courant bi ñu mën ko rétablir le plus rapidement possible en temps d'hivernage fanyé sel nañ aussi que Senelec buñu musan di couper niki dañu couper démonter compteur bi yebale ko bon fanyé ci gannaaw da xamna mi continuer mudé lor la lol aussi waaw bon xam nga aussi nit aussi su fekké Senelec ñun service public lañ dañuy jaay courant bo xolé mission bi ci mission Senelec jaay courant bi pratiquement ci la bok donc du moment que dañ lay fournir dañ lay ci ci contrat bi aussi da nga signé won nek ni man sax ñaar yé tamay fay facture dañ lay indil facture bo honoré wu say engagement après aussi l'échéance Senelec dina maya dire après mu doora procéder au recouvrement mais bon il s'est trouvé que il y a des clients yo xamné dañuy xaw difficile
parce que dañ lay amel ben facture bu la amel deux factures bu la amel trois factures donc day xawa compliqué bon raison yi nak day bari parce que duma ne ku nek day fo wara fay par force parce que ku nek li ci posam kenn xamuko mais bo talé ñaari wër war nga ñettéli wër war nga mëna ñoo fay donc bo bëggé tégalé nak tok ñenti wër donc juroom ben wër ta fayo ak aussi Sénégal aussi day obligé mu ñoo couper la bo dëgëré aussi mu jël compteur voilà daal lay joxat délai xam nga lool yépp pour may la temps la pour nga mëna ñoo fay donc ya sax bo démé bu mënu to fay nga def reconversion li ñu wax reconversion nga joggé au poste paiement manam poste paiement moy compteur yi nga xamné dañu am facture fa ñaari wër ñu mëna reconvertir au paiement té depuis Sénélec tek lolu batay gis nañ ci avancement té client yi aussi ñi ngi comprendre le prépaiement aussi parce que bo xolé tay bo amé trois factures Sénélec bu jëlé ce compteur aussi dalay proposer parce que gis nga tay duñ jël ce compteur rek bayala non ci lëndam dalay proposer na la le prépaiement tamit mën nga ko jël bien vrai que am nga bor mais le prépaiement ma dugal ci question bobu quoi ñu xousalé ci parce que le prépaiement aussi dina mëna dimbalé comme niñ ko waxé rek woyofal bi mom woyof na tellement ba bo gisé ni tay bo amé trois factures wala deux factures bo démé mënu to ko fay nga ñëw na salaire mo teut mënu to ma fay salaire da lay proposer le prépaiement tay ji mën nga fay 70% mu déssé 30% 30% yé nak ñu dag ñu tégal la woyofal ngay jënd crédit dafa ñu lako dafa 30% 40 selon yow li nga mën donc lool yépp ñi ngi lay woyofal baña couper sa courant définitivement donc dina la permettre yow ngay fay sa bor ba paré di am sa courant ça fait que yow bu la tégalé le prépaiement nga jënd crédit ñu defal 30% de dette donc bo jëndé 1000 francs ñu jël 300 jaal crédit 700 bo jëndé 2000 ñu jël 600 ya ngi fay sa bor 600 ba paré di nga am courant 1400 nga jënd 5000 ñu jël 1400 jaal crédit 3600 donc di nga fay sa bor ci côté balé ci facture yi nga amul mënoto ko fay ba paré di nga connait di am courant voilà mais la moy différence ya xamné ak compteur la moy différence bon différence bi bari na parce que aduna aussi buy dox day jamono buy dox day nit ñi dañu war andak jamono il fut des temps portable yi ñu doon yor légui kenn yortuko donc aduna nak buy dox da ngay dox andak mom parce que technologie la day avancer chaque jour technologie day joggé a dem point b du coup tay ji prépaiement bi yow gis nga avantage ci am parce que déjà Sénélec fi mu jëk agiré moy si méthode de facturation bi parce que tay ji si yow am nga compteur woyofal manam kenn d'autre la facturer 3e tranche manam avec le poste paiement manam compteur bi am facture su fekké né da nga de 0 à 150 kg Sénélec dalay jaayé le courant à 91 francs de 151e kilo à 250 autres kilo yiñ ci top mi 250e kilo bi Sénélec da la koy jaay 112 francs donc bu duggé nak ci 3e tranche bi Sénélec da la koy jaay à 117 francs donc le prépaiement amul lolu le prépaiement mom 91 francs la nga mëna jaay en DPP manam ki nga xamné kërëm la nek en domestique ak 112 francs donc ak lu mënti tal Sénélec mënu la ko jaay 117 francs donc lolu rek déjà avantage la deuxième avantage mo moy le prépaiement aussi boko amé lo am dinga tal lo am dinga tal 1100 2000 3000 5000 lo am man nga jënd crédit top su féké yow gorgorlu nga comme man so amé ce 3000 nga jënd 3000 dugal so amé 5000 nga jënd ko bu toli nexé ba bac gaay bac ba jaay affaire yi nga jënd sa 10000 francs wala sa 15000 nga dugal donc woy fa libéral gis nañ ci ndëriñ te fima tok ni chaque jour gaay ñi ñëw di def ay reconversion da ngay gis ko doon am facture ñëw jéggi na mo man tukutuma bi la bu parce que sama place woy fa la am gis na ndëriñ bi donc ñu bari ñu koy installer ci seen biir kër yi diko gën ko xam li ci gëna am solo aussi moy manam xam ko xam nga ñun sénégalais xamuñu lu bess bu ñëwé rek dañuy xaw réticent touti quoi parce que xamuñ ko mais tay ji ñi nga xamné dugg nañ ci ba min ko donc ñom xam nañ ko té ñuy wax nak ñëpp aussi ñu bañ ko ragal parce que la woyofal pratiquement avantage bari na comme ni ma ko waxé mën nga tok sa kër nga jënd sa courant lu guddi parce que am nañ ay
am nañ ay yeneen distributeur yo xamné via VF Orange Money lepp mën nga tok sa crédit à n'importe quelle heure nga jënd sa crédit nga duggal benen avantage aussi mu jeex goudi amo xaliss ci mai le 811 mu level la mu tak ba beurset après nga dem jënd crédit bo ñëw nga recharge mu jëlat 5 kilo yu na level après li test mu bayal nga tal donc gisna ci dal ak njariñ té ñi ñi ñoko wax mais aussi dess na xeyna peut-être xamo bon nit ñi dess nañ xam njariñ bi parce que au départ ñoo wax nan Saint Lek bon parce que élément yi mi yebal ñi relever xama loolu bëgg économiser motax muy diexnal donc parce que li nga expliquer ñu bari xam nañ ko non donc aussi na ngeen mëna def aussi ba population bi gëna mëna xam njariñ bi aussi waaw mais xam nga tay ji moy lima lay wax ni rek xam nga tay ji Saint Lek jogul pour forcer kenn lo xamne bu mais nit ñi ñoy dem ba seen xel doy la ñoo seen bop xam nga tay ji reconversion da fay am ci liggey bu ne xam nga tay ji nit mën na commencer nek menuisier def ay lalam jek menuisier bi doxatul mu ci xam menuisier bi mu transférer ko dem def leneen donc Saint Lek métier Saint Lek aussi nonu la def yi nga xamne ñoy dugg ci kër yi di relever manam relève mënul jeex aussi manam facture relève di am ni facturé à temps di yobu facture lolu mën ta jeex mais mën na wañéku mais d'autant plus que tay ñooñu les releveurs parce que compteur wifi ku japp ne kenn duko contrôler aussi da ngay nax sa bop Saint Lek ñu bari dañuy japp ne bu la tégalé wifi paré nañ kérok lañuy gëj ci kër mais ñun chaque jour mën nañ tirer des fiches de vérification ñu ñëw di xol lutax compteur bi jëndatul crédit lolu yëp dañ koy gis mën lutax compteur bi tok lam daan jënd crédit jëndatuko lolou yëpp mën na ñu ñëw am motif ñu renseigner ci fichier parce que dañuy envoyer des fichiers nga xamné ku gëj jënd wër dañ koy xam ku gëj jënd ñaari wër dañ koy xam ku gëj jënd ñetti wër dañ koy xam ñu dem ci kër yi xol lutax mu gëj jënd légui nak à partir de là dinañ mëna té lolou ñi relever ñom ñokay def donc xam nga tay mutation baay non tay nit ki bu relever tul mëna dem def lolou voilà ça donc té SA bi wayfal bi légui généraliser ko té bu généraliser aussi ñom ñoy defat contrôle bob waaw fa ñi sét le courant dañ am ay bestation jenn ko ñi dañ xawé doon jafé donc lolu aussi tay est ce jël nga ci ay matuay aussi waaw bestation parce que aussi xam nga man bima ñëwé parce que man bima jëlé service au niveau de Guinée ak légui ça fait 1 an 4 mois ou 1 an 5 mois donc bima ñëwé j'ai vu des anomalies donc à partir de ces anomalies là lañuy mëna rectifier donc amna lu fi nekkon amna luñ fi fekk ñun amna luñ ci bëgg dolli donc té dëkk bu nekk bo gisé dëkk yi dañuy mag té bo xolé gëngi neew magna lu bari sax donc té gaay ñi dagg kër yi ñangi dem tax di dëkk donc Saint Lek aussi dafa wara accompagner ñooñu donc bu nga xamné té réseau bi yam na fi kër yi ñëw nañ yok ñu dañu wara am courant donc ñun dañuy xol les sites yi nga xamné vulnerable na ci courant bi ñu dem yegali yeg da defat benen étude pour meuna yok fof poté yi yok poste yi pour ñep meuna am courant de qualité voilà ok waxana de remercier parce que temps bi dafa xat donc xajal nañ ci donc ban message ngay lancer population bi ak aussi yeen cadre ngay ñax nit ñi aussi surtout client waaw di remercier de le remercier yow encore une fois parce que permettre nga ma aussi ma meuna touti ak nit ñi peut-être que liñ ci wara mënu wax sax dafa bëri mais c'est toujours ce que temps bi comme li nga wax rek xatna et puis légui julli jot té liñ ci wara mëna doole parina ma ngi remercier encore di la remercier yow mi permettre mo mëna wax ak nit ñi di remercier population Guinée yow parce que gis na niñu mo adopter di ma encourager à chaque fois ci liggéey bi mag ñi xalé yi ñëpp dañuy ñëw ba fi ma encourager donc lool rek c'est quelque chose dalay permettre yow nga gëna yok la nga doon def baña baisser les bras donc benen bi moy ma ngi sante bu baax population Guinée ak les autorités locales maire bi le préfet ak ñi nga xamanteni ni ñom la fi fekk ñu dalal ma ci CDD Guinée yépp di remercier aussi commandant bi gendarmerie monsieur Ndiaye parce que à chaque fois ñu am problème ci all bi buñ ko interpeller mu taxaw ci di remercier aussi
sapeurs-pompiers, ñëpp ñi nga xamanteni ni c'est des autorités administratives et des forces de l'ordre. Donc gis nañ ñi accompagner, c'est l'occasion pour le remercier, di len jaajeufal, di wax ni tank Senelek mi ngi fi, et c'est à mi Senelek da la fi nek ci seen ay bëgg bëgg li ñi nga xamanteni ni bëgg nañ ko yépp ci population bi aussi ñun ci taxaw guddi ak bëcëk té di len wax ni aussi Senelek mu ngi fi service bo xamné day dox 24h/24 nit aussi bu amé panne mëna woté ci numéro bi